Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vert Framboise. Je voulais vous présenter aujourd'hui mon dernier livre. Je l'ai terminé hier. Il est sur le thème des bohémiennes diseuses de Bonaventure, Gypsy, et je l'ai appelé Gypsy. Il est dans les tons pourpres. Il est doré. Ici, la couverture est embossée avec un pochoir napperon et ensuite recouvert de tissu. Que j'ai travaillé, vieilli, etc. Les dimensions sont de 9 en hauteur par 6 en largeur. L'épine est ronde, courbée. Elle est de 2 pouces. Et la couverture arrière est embossée, elle aussi. Le headband, donc, est dans un tissu avec des chevrons, qui est la même chose que là où sont attachées les signatures. Le pendentif et dans les mêmes tons dorés et pourpres. Il a 200 pages. Il se compose de 5 signatures de 40 pages. Toutes les pages ont été teintes au café et donc sont décorées avec un légèrement décoré pour vous laisser de la place pour écrire avec toutes des images de gypsy, de bohémienne et de cartes de tarot, de divinatoires. Il est fermé par un ruban pourpre lui aussi. Et donc chaque signature contient une perle qui a été faite par moi aussi. On va l'ouvrir. Je voulais vous le montrer complètement ouvert pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que ça donne. Donc, ça donne ça. Donc il est embossé de façon symétrique des deux côtés. Voilà. Donc ici, donc toutes les signatures se composent encore une fois de sensiblement les mêmes choses, mais toutes les images que vous allez retrouver sont différentes. Donc ça, c'est la page de couverture avant. Donc dans les tons pourpres avec une pochette ici plutôt rose et du tissu donc qui est très bling bling, bohémien, diseuse de Bonaventure, gypsy, etc. Donc, les 5 signatures ont des papiers de couleurs différentes, mais surtout toutes les coordonnées. C'est un kit que j'ai acheté. Les intercalaires sont dans les tons orange brûlé. Oups, je suis hors champ. Orange brûlé. Et donc, chaque signature a 40 pages, ce qui fait 200 pages au total. Ici, nous avons coordonnées au papier une pochette avec une carte. Bon, pour deux cartes même pour reprise de notes. Chaque page est introduite avec une image de Gypsy. Ensuite, beaucoup de papier, beaucoup de place pour écrire, hein, parce que c'est ça le but. Mais vous pouvez aussi coller des photos, etc., et écrire au sujet de la photo. Ça, c'est votre imagination. Donc, toutes les pages aussi ont été pochées avec des pochoirs. Ici, nous avons une pochette avec les images de Gypsy et une carte de tarot divinatoire. Donc, il y en a 20 au total, je pense, dans tout le livre, qui sont différentes. Comme ça. Ensuite, donc, ici, papier ligné. Ici, vous avez un bandeau avec une enveloppe qui se compose avec une image de Gypsy et une carte pour écrire. Ensuite, papier ligné. Chaque signature à son centre a une pochette, donc qui est coordonnée à plus ou moins la couleur, dans laquelle se retrouve une autre Gypsy, une autre carte de tarot et une carte pour vierge pour écrire. Donc chaque signature a ça au milieu. Chaque signature a également une pochette ici où vous retrouvez une carte de tarot différente. Encore une autre ici. Donc une autre pochette ici. Et une autre petite enveloppe dans laquelle il y a encore une carte de format ATC, format carte à jouer, genre, avec une autre
avec un tag étiquette bagage que vous pouvez utiliser à d'autres fins. Et donc la dernière pochette aussi, vous retrouvez une autre image de Gypsy avec une carte pour écrire, de la dentelle et une petite perle pourpre. Oups, on voit pas bien. Pourpre à chaque page de garde arrière de signature. La deuxième signature est bleue. Donc ici, on a une jolie bohémienne. La pochette centrale est bleue. Donc toujours dedans, on retrouve la carte de tarot, la bohémienne et une carte pour écrire. Ensuite, la troisième signature est violette, avec en son centre, avec notre image. Je ne sais plus si j'ai précisé qu'il était vendu déjà. Merci, Dani. La pochette centrale est violette. La quatrième signature, pardon, est verte, avec une autre jolie dame. En son centre, oups. C'est vert. Et la dernière signature est noire. Donc le tissu arrière d'attache des signatures rappelle le headband. Donc ici, on a encore une jolie madame. Et évidemment, la pochette centrale est noire. Où on retrouve toujours une jolie bohémienne, une carte de tarot et une carte pour écrire. Et enfin, on retrouve la couverture extérieure, donc toujours avec mon joli tissu et la prise de notes. Voilà, il est fermé par un ruban pourpre lui aussi. Donc voilà. Merci pour avoir regardé et merci encore Dani pour ton intérêt pour ce que je fais. C'est vraiment très apprécié. Et si vous voulez ne rien rater, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Bye.